Je viens de déposer plainte pour le compte d'Anticor auprès du parquet national financier dans le cadre de détournement massif et systémique de subventions européennes. C'est plusieurs millions d'euros qui ont été commis par certains agriculteurs corses et ce avec la complicité des pouvoirs publics, que ce soit la préfecture, la DTM ou les services de paiement de l'État. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les prix des céréales sont élevés. Les pénuries se succèdent. La France et ses partenaires européens créent en 1962 la PAC, la politique agricole commune. Trois objectifs sont fixés: accroître la productivité, garantir la sécurité des approvisionnements et surtout assurer des prix raisonnables aux consommateurs. En 1992, pour contenir la surproduction, l'Union européenne verse un revenu aux éleveurs en fonction de trois critères: la surface, le nombre d'animaux et un rendement de référence. Vingt ans plus tard, Bruxelles prend la décision de dissocier les aides directes de la production. Les surfaces allouées au pâturage sont désormais privilégiées. Sur le territoire français, le montant moyen attribué aux éleveurs pour un hectare est de 240 euros. En Corse, il n'est que de 70 euros. On arrive à une espèce de chaos sur lequel vient se coller des mesures qui sont prises à Bruxelles pour 20-27 pays, et on se retrouve en Corse avec une distorsion de concurrence, puisque l'agriculteur corse, par rapport à l'agriculteur continental, il est, au niveau de ses aides, le dernier de la classe. De partout où il y avait un fonctionnaire en poste qui parlait d'agriculture, eh bien, il sous-considérait l'agriculture corse, notamment cette agriculture de sauvage, faite avec des vaches faméliques, des chèvres qui ne produisaient rien, ou un fromage qui pue, sur des espèces de parcours où il y avait plus de rochers que d'eau. En 2015, la tension monte d'un cran. Elle est si prégnante que le ministre français chargé de l'agriculture obtient de Bruxelles un rééquilibrage de la dotation à l'hectare entre la Corse et le continent. Ça valait le coup. Je veux dire, lorsqu'on a eu cette reconnaissance, bien entendu, à la hauteur du retard qu'on avait, vous avez compris, on a fait un bond en avant énorme. Et ce bond en avant énorme, où finalement la Corse a eu un gain fantastique, puisqu'on a plus que multiplié l'aide directe qui était attribuée aux agriculteurs corses. En même temps, nous savions que ça allait nous porter tort en termes d'effet d'aubaine. Les 36 millions de l'enveloppe allouée à la Corse aiguisent des convoitises, à tel point que les surfaces déclarées connaissent un essor spectaculaire. Qu'en pense aujourd'hui le principal instigateur de la mesure ? Quand vous êtes ministre à Paris, que vous avez réfléchi à tout ça, à l'échelle française, pour essayer de trouver des solutions dans des zones où effectivement maintenir l'agriculture, c'est souvent la seule manière d'avoir une activité économique. Les zones, en zone de montagne, les zones à grand de handicap, vous n'avez pas de possibilité de faire d'autres activités que l'activité agricole, voire liée avec le tourisme. D'où l'agrotourisme qui était aussi intégré dans un certain nombre de critères pour avoir des zones. Mais si ça consiste à basculer de l'autre côté, c'est-à-dire que des gens utilisent ça, non pas parce qu'ils sont agriculteurs, mais parce qu'ils font autre chose, là on a un problème. Nous sommes dans l'extrême sud de la Corse. L'homme qui arpente ce massif est le référent insulaire d'Anticor, la plus puissante association de lutte anticorruption en France. Dans l'île, Anticor fait figure d'épouvantail. Sur cet éperon rocheux, la rencontre est atypique.
derrière ce masque, un lanceur d'alerte et un échange d'une teneur exceptionnelle. Je voulais vous rencontrer pour briser la loi du silence, en vous alertant sur des abus de droit et de la fraude. Ces dérives sont liées au système d'attribution des primes européennes, à la surface de package en Corse. Il s'agit dans certains cas d'une escroquerie de masse organisée en système mafieux. On peut qualifier cela d'agrimafia. Ce terme d'agrimafia est fort. Pourquoi cela ? Vous savez, de par ma position dans l'administration, j'ai pu constater qu'une partie de l'argent public destiné au développement du monde agricole se trouve détournée de son principal objectif. Avec un peu de perspicacité et surtout quelques complicités, certains éleveurs arrivent à obtenir des sommes énormes sans commune mesure avec la réalité de leur activité. Ces gains sont souvent réinjectés dans une économie spéculative, par exemple dans des opérations immobilières ou touristiques. En toile de fond, il peut y avoir une volonté affirmée de s'accaparer de manière illicite des territoires. Allez, je vous propose à présent de me suivre dans un lieu discret afin que vous puissiez en prendre hâte. Ce lanceur d'alerte revendique agir de bonne foi et sans intention partisane. Son principal objectif, faire cesser des agissements illicites. C'est donc dans le seul cadre de la défense des intérêts publics qu'il effectue sa démarche. Regardez, nous sommes ici au Bel Endroit, un club de vacances situé en Balagne. L'agricultrice y déclare des bêtes en pâturage. Sa fiche est inédite, puisqu'elle a représenté, vous voyez ici, un îlot à cheval sur une falaise appartenant, s'il vous plaît, au conservatoire du littoral. Grâce à cet abus, l'État lui verse une subvention européenne. C'est édifiant. Afin de booster sa prime, l'éleveuse déclare cette parcelle en surface pastorale herbacée. C'est une arnaque puisque son croquis incorpore ici la plage de sable fin et le long de cette clôture, une forêt d'arbres se trouvant à l'intérieur de la résidence. Et à quelques kilomètres de là, le désert des Agriates est un site privilégié des chasseurs de primes. Certains éleveurs y déclarent tout et n'importe quoi. Cette modélisation montre l'évolution des déclarations surfaciques effectuées entre 2014 et 2018. Auriez-vous des exemples à nous montrer où on voit de grandes surfaces avec très peu d'animaux ? Oui, bien sûr. Il y a par exemple cet agriculteur qui mentionne quatre îlots très éloignés les uns des autres. Un premier à la pointe du Cap Corse sur la commune d'Ersa de 120 hectares. Un second plus bas sur Brando de 185 hectares, un troisième à Furiani de 174 hectares et enfin un dernier de 51 hectares sur Ometa d'Ituda. Pour 14 vaches, cet éleveur a obtenu 58 000 euros de la PAC. Soit calculette à l'appui, 58 000 divisé par 14, un montant de 4 142 euros par vache. C'est colossal. Des prairies humides, des rochers aux formes arrondies, des animaux en divagation libre et une piste. Nous sommes à 1500 mètres d'altitude, sur le plateau du Cochon. Depuis 2015, un groupement pastoral déclare y détenir des centaines de bêtes en estive sur une surface de 1979 hectares. S'appuyant sur de multiples données confidentielles transmises par son informateur, le référent corse de l'association Anticor effectue sur la zone des investigations minutieuses. Je regarde la faune qu'il y a sur le plateau et je peux vous dire que je n'ai pas vu le moindre lama, le moindre daim et encore moins d'alpaga. Qu'est-ce qui a été perçu ici en 2015 ? Il a été déclaré 300 daims, et pour ces 300 daims déclarés, ça a rapporté la somme en aide, 200 000 euros. En 2016 ? En 2016, il a été déclaré 300 alpagas, exactement la même somme, à savoir 200 000 euros. Et finalement, en 2017 ? Et en 2017, il y a eu 290 lamas de déclarés. Là, la somme a diminué
Elle peut s'expliquer pour des raisons techniques, mais ce serait trop long à vous dire. Donc là, on est descendu à 170 000 euros. Donc au total ? Eh bien, un total de 570 000 euros sur 3 ans, ce qui est quand même une somme plus que rondelette. Un jackpot. On peut parler de jackpot. Après 6 heures de marche sur le plateau, aucune trace de camélidés, ni de cervidés. Peut-être que la chance pourrait nous sourire en croisant la route des nombreux randonneurs qui parcourent le massif granitique. Bonjour. Bonjour. Oui, je peux me permettre de vous poser 2 questions ? Dites-moi. Quelle faune avez-vous rencontré ou croisé ? Ah, les cochons, tout ça. Ouais. Les vaches, les chevaux. Après, on n'est peut-être pas assez... Avez-vous entendu dire qu'il pourrait y avoir sur le plateau d'autres animaux, du style daim ? Ah non. Lama ? Non. Alpaga ? Non. Du tout. On en croit chez nous, mais pas ici. Ah bon ? Vous venez de quelle région ? Sept. On est sétois. Vous êtes sétois ? Ouais. D'accord. Oui, mais vous les croisez pas en liberté, ils sont... Non, c'est parce qu'il y a un refuge de lama à côté. Il y a un refuge de lama. Mmh. Ah ben donc, lama, si vous promadaire. Si vous en aviez croisé, vous les auriez reconnus. Ah, ça oui, c'est sûr. La mise en action rapide d'un drone et sa grande maniabilité permettent une observation précise et détaillée. Nous balayons à plusieurs reprises la parcelle. Dans tous les axes, sans résultat. Reste alors une dernière alternative. Vous êtes en communication avec la gendarmerie nationale. Votre appel est pris en compte. Veuillez ne pas quitter. Nous allons répondre à votre appel. Bonjour, voilà, j'ai eu connaissance qu'il y aurait sur le plateau du Cochonne des lamas ou des alpagas. Est-ce que vous pourriez me dire si c'est exact ? Alors là, vous m'apprenez quelque chose. Je vous apprends quelque chose. Ouais. Bon, voilà. Des lamas ou des alpagas sur le plateau du Cochonne, enfin, moi, je n'en ai jamais vu. Moi, ça ne me dit rien du tout. Selon la gendarmerie, ces animaux ne sont pas présents. Et pourtant, 18 éleveurs résidant autour du plateau les ont déclarés en estive afin de percevoir de manière illicite des primes européennes. Sur chacune des rives de la vallée du Taravo, la limpidité des eaux contraste avec les pratiques troubles de certains éleveurs. À Tasso, plus de 85% des 1600 hectares que compte la commune sont occupés par 4 éleveurs porcins. Autant dire que la messe est dite pour l'éventuelle installation de jeunes éleveurs. Parmi ces déclarants faisant main basse sur le territoire communal figure un élu de premier plan à la Chambre d'agriculture de Corse du Sud. Cette personne déclarait en 2014 78 hectares pour 9 000 euros de revenus d'aide au développement. En 2015, il déclare 435 hectares et de 9 000 euros, il passe à 90 000 euros. Somme qu'il a perçue à peu près équivalente en 2016 et en 2017. Partagé entre l'ivresse et l'appât du gain, la tentation de favoriser un proche peut très vite apparaître. Il est évident que ce membre influent de la Chambre d'agriculture a fait profiter de l'opportunité à un des membres de sa famille, puisqu'en 2017, ce membre de la famille déclare plus de 500 hectares pour citruits, et ces 500 hectares lui permettent d'avoir en aide plus de 100 000 euros. Il n'y a pas du tout de hasard. Et là, on peut parler vraiment d'organisation parce qu'on voit très bien les liens, les accointances qu'il peut y avoir entre les uns et les autres. Et à partir de ce moment-là, c'est en quelque sorte, je dirais presque, la curée. Et ce n'est pas tout. Un véritable climat de défiance voit le jour à travers une lettre anonyme envoyée au président de la Cour régionale des comptes à Bastia. Monsieur le Président, plusieurs éleveurs porcins et bovins de la vallée du Taravo se livrent depuis plusieurs années, en toute impunité, à grande échelle, à de fausses déclarations de surfaces agricoles, dans le cadre de la PAC. Les services de la DDTM 2A ont été saisis à plusieurs reprises,
par l'intermédiaire du chef de afin de mettre fin à ces dérives délictueuses, sans résultat à ce jour. Il est à noter bien au contraire que celle-ci s'amplifie avec la complicité active du président de la de Corse du Sud et des élus locaux. Une véritable escroquerie de masse en bande organisée a été érigée en système mafieux. Intimidation, menaces sur personnes âgées vulnérables, tromperies, faux contrats de bail agricole, dole et rétrocommission. Sur la commune de Corano, c'est l'ensemble du parcellaire qui a fait l'objet de déclarations frauduleuses. En tout, plus de 600 hectares sans opposition du ni des services de l'État. Faut-il y voir une poursuite des malversations initiées sous la mandature de M. Laurent Peraldi, ancien maire de la commune de Corano ? Difficile pour lui de répondre. Il n'est plus de ce monde. Ces éleveurs, sans scrupules, agissent de surcroît en leur qualité de membres influents et actifs de la de Corse du Sud. C'est le cas en particulier de M. Paul, de M. Michel, son fils, et de M. Dominique. En conséquence, le devoir citoyen qui m'anime me conduit aujourd'hui à vous informer de cette situation. Du maquis à perte de vue et une eau turquoise, ça c'est pour la carte postale. Mais à y voir de plus près, ce rivage ne fait pas que le bonheur des amoureux de la nature. Ici, nous sommes sur la commune de Bonifacio et plus particulièrement sur une parcelle du Conservatoire du Littoral. Cette parcelle fait 2600 hectares. Comme vous pouvez le constater, c'est un sol qui est très, très minéral. En 2013, une éleveuse s'est installée ici ? Alors, en 2013, une bergère a déclaré 140 hectares pour 140 chèvres. Elle a perçu pour cette déclaration 20 000 euros en 2013 ainsi qu'en 2014. 2015, changement de règlement à la PAC, et qu'est-ce qui se passe ? Alors, changement de règlement en 2015, elle conventionne avec le Conservatoire du Littoral pour pouvoir déclarer 1200 hectares. L'équivalent de 1700 terrains de football. L'opération est juteuse puisqu'elle permet à sa bénéficiaire de percevoir plus de 100 000 euros par an de subventions européennes. L'observation minutieuse des lieux met en évidence que seule une infime partie des landes et du maquis peut être pâturée. Quant à l'état de santé des animaux, il laisse plutôt à désirer. Selon la direction régionale de l'agriculture, plusieurs maladies infectieuses frappent régulièrement ce troupeau. Sur cette bande littorale, la redistribution équitable des terres agricoles est un sujet qui fâche. Pourquoi avoir réservé une telle surface pour une seule personne, alors que l'on sait qu'il y a des jeunes agriculteurs qui sont à la recherche de terrains justement pour pouvoir s'installer ? Je trouve que là, il y a vraiment un vrai problème. On téléphone au conservatoire pour savoir qu'est-ce qu'il en est ? Tout à fait. Alors ? On l'appelle. Dominique Yvon de l'association Anticor, sachant que vous êtes enregistré, j'aurais aimé vous poser quelques questions par rapport à la convention signée avec Madame. On va pas, attendez, moi je vais pas parler de cas de personnes et tout dans des émissions ou dans je ne sais quoi. C'est... Bah écoutez, il voilà, y a quand même eu une convention signée. Moi je ne vais pas répondre comme ça des questions au téléphone, enfin. Vous êtes, c'est sur elle, je ne sais même pas qui vous êtes, je n'ai aucune preuve de qui vous êtes, monsieur. Bah, je suis monsieur Dominique oui, Yvon, mais vous me représentant d'Anticor. Écoutez, vous serez bien aimable de ne pas insister. Mais non, mais voilà. Ça... Merci, monsieur. Au revoir, monsieur. Un mutisme qui en dit long et une interrogation qui persiste. Le maire de Bonifacio est administrateur à l'échelon national du Conservatoire du Littoral. L'opportunité de connaître le fin mot de l'histoire. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Qu'un haut fonctionnaire ne veuille pas répondre à des questions ? Le haut fonctionnaire dont vous parlez, il obéit à une hiérarchie. Je suppose qu'il en a référé à sa hiérarchie et qu'il n'a peut-être pas eu l'autorisation. Ça, c'est peut-être le premier point.
Après, que Michel Mouratchoul, que je connais comme étant quelqu'un de sérieux et plutôt rigoureux, n'ait pas aujourd'hui envie d'alimenter une polémique, un conflit, je crois que ça correspond aussi à sa responsabilité. Ce n'est pas facile dans un territoire comme le nôtre, dans une île comme la nôtre, où nous sommes 300 000, où nous côtoyons peut-être tous les jours des gens qui n'ont pas toujours un comportement irréprochable. Est-ce que chacun a envie de s'exprimer comme moi devant une caméra ? C'est pas toujours facile, c'est sûr, dans une région comme la nôtre. Dans l'extrême sud, une seule bénéficiaire occupe 36% des terres acquises par le conservatoire. Est-ce bien acceptable ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous me questionnez, il est normal que cette personne qui a une bergerie sur le territoire de Bonifacio touche 100 000 euros d'aide par an, est-ce que ça vous paraît normal ? Honnêtement, vu de l'extérieur comme ça, je vous dirais non, catégoriquement non. Parce qu'il me semble aujourd'hui que si les éleveurs doivent bénéficier d'aides pour être aussi des aménageurs du territoire, parce qu'il faut se le dire, en Corse, les bergers ont aussi une vocation d'aménageurs du territoire. Et on doit les aider à s'implanter à Zerubia, à La Porte, ou je dirais à Tsikavo. Mais entre une aide qui, comme ça, j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, permettrait à un couple d'avoir 20, 30 000 euros par an pour s'installer dans un village, parce que ce n'est pas évident, et des sommes telles que vous me les décrivez, et qui font souvent l'objet de discussions, vous le savez très bien, on en discute avec la population. Ces sommes, quand on les entend, elles nous laissent pantois. Ah, les vacances. Le sable fin. Une eau à 28 degrés. Des étendues vierges et sauvages pour le plus grand plaisir des baigneurs. À une trentaine de kilomètres de là, de grands espaces naturels, des paysages enchanteurs, mêlant une flore exceptionnelle à un décor minéral inhospitalier. Nous sommes à Letia, un petit village où réside le directeur de la Chambre d'agriculture de Corse du Sud. Ici, des vaches fantômes ont pris possession du territoire. Dans cette micro-région, une famille de 4 personnes a déclaré depuis 2015 des grandes superficies. Pour une aide dépassant les 400 000 euros par an, Angèle Marie-Rose, 86 ans, déclare 430 hectares. Béatrice, sa belle-fille, 381 hectares. Jean-Marie, son petit-fils, 400 hectares. Et Pierre-Marie, le Benjamin, 902 hectares. Tout cela entre mer et montagne. On retrouve le même schéma que dans le Haut-Tarn, c'est-à-dire quelqu'un qui a une certaine influence au niveau de la Chambre d'agriculture, on le retrouve également dans cette région. Ça peut servir pour la déclaration. Disons que ça aide, voilà. Si ça ne sert pas, disons qu'on peut avoir des informations pour faire des déclarations et des déclarations qui soient le plus juste possible. Sur les 80 îlots déclarés, cette famille affirme détenir un cheptel de 521 vaches et 25 truies. Le plus jeune, âgé d'une vingtaine d'années, attire particulièrement l'attention. Il a touché combien ? Et lui, il a touché la coquette somme, la première année en 2015, 111 000 euros. Et sur 3 ans ? Eh bien, sur 3 ans, ça lui fait, il avoisine les 350 000 euros. Un joli pactole pour ce jeune homme. Mais le plus déconcertant reste à venir. Nous quittons le village, direction Ajaccio. En périphérie de la ville, la zone d'activité commerciale de Mezzavia est en plein essor. Les espaces non urbanisés du quartier de la Confina représentent l'un des derniers poumons verts de la cité impériale. Depuis notre départ du village de Letia, nous avons parcouru les 50 km en une heure. Le site offre un point de vue remarquable sur la baie d'Ajaccio. À 2 pas, la centrale thermique du Vazio. Et un peu plus loin, l'aéroport Napoléon Bonaparte. Il n'y a aucune présence animale sur cette zone recouverte de maquis et de landes. Et pourtant,
Pierre-Marie y déclare à la PAC deux surfaces agricoles exploitées et sa grand-mère une troisième. Depuis 2015, ces terres, louées à des sociétés spécialisées dans la construction et les activités de holding, ont rapporté 40 000 euros. Sur ces parcelles, évidemment, il n'y a aucun animal, puisque les parcelles ne sont pas clôturées, d'une part, et d'autre part, comme on a pu le constater, il n'y a aucun point d'eau pour pouvoir abreuver des animaux. Pas de déjection. Et non plus aucune déjection, nous n'avons absolument rien vu de ce genre. Et il est certain que si on mettait des animaux ici sans les surveiller et sans qu'ils soient enclos, il est certain que les animaux, vous pouvez voir autour de nous, toutes les habitations, et derrière, au fond, nous avons Ajaccio. C'est une façon d'occuper l'espace qui est pour le moins curieuse. Comment et avec quelle complicité des dizaines d'éleveurs insulaires seraient-ils en mesure de flouer des milliers d'autres? L'énigme est si complexe à résoudre que l'association Anticor dépêche dans l'île son meilleur avocat. Je viens rencontrer des lanceurs d'alerte pour prendre un peu la mesure de ce détournement massif de subventions européennes et comprendre les mécanismes qui sont à l'œuvre. Je pense qu'on comprend mieux les choses souvent quand on rencontre les gens et quand on voit sur place la manière dont se déroulent les choses. Exaspérés par la corruption et le détournement d'argent public, de plus en plus de citoyens corses s'affranchissent des règles tacites de l'omerta. C'est donc sans état d'âme qu'ils s'expriment aujourd'hui à visage découvert. Je me rappelle avoir, au début de cette affaire, rencontré un préfet auquel j'ai dit « Monsieur le préfet, il se passe ça et ça, est-ce que vous êtes au courant ?» Et le préfet me dit « Oui, je suis au courant. » Alors je lui demande « Mais qu'est-ce que vous faites ?» Ben, il ne me répond rien. Alors j'en suis resté comme de ronflant. Et il m'a dit « Pourquoi vous ne faites rien ?» Parce que je n'ai pas les moyens, parce que ce n'est pas moi, ça dépend de l'Europe, etc. Et puis il a ajouté d'ailleurs « Vous ne savez pas où vous mettez les pieds. » Ça veut dire « Vous ne savez pas où vous mettez les pieds ?» Mais ça veut dire le risque, il est immense. Ça veut dire il y a un risque effectif et moi je ne veux pas le prendre, ça veut dire, tout simplement. Et quand on entend quelqu'un comme toi ou moi dire je ne veux pas le prendre, ça se comprend. Mais quand on entend l'État régalien qui vous dit moi je ne veux pas prendre de risque, c'est quand même extrêmement préoccupant. Ouais. Et que dire de cette mesure prise par le ministre de l'Agriculture pour alléger les conditions d'éligibilité aux primes européennes? Ce décret vient dire, voilà, vous pourrez bénéficier des subventions, même si vous ne démontrez pas que vous êtes un agriculteur actif. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Donc là, on se dit quoi? C'est-à-dire que, concrètement, on peut en tirer argument que l'État vient couvrir le fait de pouvoir bénéficier de subventions être agriculteur actif. Alors c'est quoi un agriculteur passif? Les informations recueillies par les lanceurs d'alerte permettent de tirer des enseignements sur la stratégie judiciaire à venir. On a un objectif, je crois. D'abord, c'est d'essayer d'appréhender l'ensemble du système. Ça, c'est notre premier objectif. Deuxième objectif, c'est qu'on veut dépayser. C'est-à-dire qu'on ne veut pas que ce dossier soit traité à Bastia pour des raisons simples, d'influence, d'engorgement du tribunal et de compétences aussi parce qu'on veut une compétence financière nationale. Donc il faut qu'on aille au parquet national financier et c'est un peu ce qui nous guide. Sur le plan des fraudes, on constate quoi? On a des éleveurs, des exploitants qui, connaissant l'existence de subventions abondantes, vont utiliser le système par des fausses déclarations, des daims, des lamas, par la déclaration de surface qu'ils n'exploitent pas. Donc là, on a des tiers qui bénéficient de subventions publiques. Donc la qualification, c'est détournement de fonds publics par des tiers. Et ça nous va qu'à moitié, parce que ces subventions ou ces détournements ne sont possibles que parce qu'il y a des complicités institutionnelles, c'est-à-dire des contrôles, on va dire, insuffisants, complaisants, complices. En juin 2018, un rapport de l'Office européen de lutte contre la fraude établit l'existence dans l'île d'une véritable chasse à l'hectare conduite par des éleveurs maximisant des surfaces pour lesquelles ils demandent une aide, sans avoir ni les moyens d'exploiter ces surfaces, ni l'accord des propriétaires. D'autres enquêtes sont en cours. Si la fraude est avérée,
la Commission européenne serait en droit de geler les 36 millions d'euros attribués chaque année aux 2500 éleveurs de Lille. Pour avoir des précisions sur ces détournements, nous avons sollicité pendant des mois les services de la préfecture, sans résultat à ce jour. Serait-ce pour ce refus de communiquer que les forces de l'ordre nous empêchent de filmer depuis un espace public le bâtiment de la préfecture? Je vais vous la donner, ma pénitente. Nous avons poursuivi nos investigations auprès du service instructeur des aides européennes. En vain, seuls deux fonctionnaires ont accepté de nous rencontrer hors caméra. Aujourd'hui, je ne peux pas vous faire une interview filmée. Non, on n'est pas chargé de communication. Parce que si je n'ai pas l'instruction, je ne le fais pas. Dans la communication, c'est la préfecture. Nous, on vient souvent des journalistes pour donner des informations techniques, pour qu'ils comprennent les sujets et tout, mais c'est à vous. Devant l'impossibilité de filmer, le recours à cet enregistrement non consenti s'est avéré nécessaire pour informer le public. Afin de respecter l'anonymat de nos deux interlocuteurs, nous avons fait appel à deux comédiens pour reconstituer les points forts de cet entretien. J'ai eu vent qu'une lettre anonyme a été adressée au président de la Cour des comptes à Bastia. Vous connaissez son existence ? Non. Moi, les lettres anonymes, je les mets à la poubelle. Oui, mais celle-là se trouve à la gendarmerie d'Ajaccio. Oui, mais on n'est pas au courant. Elle fait état du Taravo. Oui. Elle fait mention d'un système en bande organisée. Arrêtez. Je ne veux même pas l'entendre. Ce n'est pas la peine. Je ne veux pas l'entendre. La justice instruira. Qui a signé ça? Ok, mais l'affaire Elf a démarré à partir d'une lettre anonyme. Certaines sont certes bidons, mais votre nom, monsieur, est cité dans cette lettre. Oui. Je sais. Je sais que mon nom est dedans. Les gens déposent une plainte. Ils la signent. On l'instruit. Vous nous déposez une lettre anonyme. Elle passe à la poubelle. Est-ce que vous recevez des menaces en tant que fonctionnaire? On a des relations syndicales un peu compliquées. Mais ce n'est pas vraiment des menaces. C'est le jeu normal. Des menaces en nous disant « si vous ne faites pas ça, sinon… » Non. Des pressions politiques, il y en a. Est-ce qu'il y a des alpagas en élevage en Corse du Sud? On doit en avoir deux ou trois. Il y a un groupement pastoral où il y aurait en estive des centaines de daims, d'alpagas ou de lamas. Est-ce bien crédible? Aujourd'hui, dans le paramétrage que nous donne Paris de Télépac et d'Isis, il n'est pas prévu que les porcins puissent transhumer. Quand vous parlez de Paris, c'est le ministère de l'Agriculture? Oui, et le fournisseur de logiciels. Ils n'ont pas pris en compte que les porcins puissent divailler. Non, de transhumer. De transhumer. Et donc le seul moyen pour nous et pour les déclarants sur place de dire que leur porcin monte sur le plateau du Cochon, c'est de définir une autre espèce qu'on sait ne pas exister, comme l'alpaga en transhumance ou le daim. Pourquoi le système n'évolue pas? Ça, il faut demander à Paris pourquoi ne paramètre pas. Hein. C'est fou là. On a fait passer la consigne en disant que plutôt que de déclarer la transhumance des cochons, vous mettez alpaga ou daim, on sait que ce sont des cochons derrière. Peut-on déclarer des animaux inexistants? Réponse de l'agence de paiement chargée des contrôles. On peut toujours le faire, oui. On peut toujours le faire. Pas vu Patrick, mais si on fait des contrôles et qu'on va vérifier la présence des animaux, et si on ne les trouve pas, on déclasse toutes les primes, et voire même, si on est convaincu qu'il s'agit de fraude, on a obligation de le déclarer au procureur de la République. Pour feinter la réglementation, la DDTM conseille aux agriculteurs porcins de cocher la case lama ou alpaga. Vous trouvez ça normal? Ça me semble étonnant que la DDT conseille finalement aux agriculteurs de faire défaut. La suspicion d'irrégularité des services de l'État gagne progressivement les rangs de l'Assemblée nationale. Elle pourrait être à l'origine du cataclysme que certains redoutent. L'État a poussé certains éleveurs à déclarer des animaux imaginaires. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ma réaction est catastrophée. Aujourd'hui, évidemment, à cause d'un contournement suscité par l'État de ce que vous me dites, en inscrivant dans l'alpaga des choses qui auraient pu être traitées dans le fond avec la Commission européenne, avec une vraie volonté politique de l'État, c'est-à-dire traiter le porc en estive, pourquoi la charcuterie, pourquoi le porc comme ça, pourquoi l'élevage comme ça, on en arrive par voie de cause à effet, avoir l'OLAF
interpellés et une conséquence qui pourrait être généralisable à tous les agriculteurs en termes d'arrêt des aides, c'est catastrophique. Le risque majeur serait que Bruxelles généralise la fraude à tous les éleveurs corses. Dans l'île, il y a une majorité de bergers honnêtes qui exercent leur métier avec force et passion. Ils sont inquiets pour leur avenir. Pour vous donner un chiffre précis, nous on estime que sur 230 000 hectares déclarés, vous avez 30 000 hectares qui sont frauduleux. Soit 5 millions d'euros par an. Le chiffre fait froid dans le dos. L'abandon des aides est désormais au goût du jour. Soit c'est la France, l'État membre, qui se substitue à l'Europe pour payer les aides européennes. À ce moment-là, pour nous, c'est indolore. Soit c'est à l'agriculteur, vous avez entendu, c'est à l'agriculteur de payer, et s'il a déjà perçu, de rembourser les aides européennes. Dans une Corse gangrenée par les actes délictueux de quelques agriculteurs, la marche de la colère avance à grands pas. Aujourd'hui, qui va faire le garde-champêtre pour savoir celui qui a 10 vaches déclarées et qui a déclaré 1000 hectares? Qui c'est qui va faire le gendarme? Toi, tu ne veux pas le faire, moi, je ne veux pas le faire, personne ne veut le faire. Ce n'est pas à Bernard qui va dire, là, je raconte, ou un ami Kawa qui m'a donc abri. Ce n'est pas aussi dans notre mentalité. Il est 5 heures, la Kastanitch s'éveille. 7 jours sur 7, ce sont toujours les mêmes gestes. Imprégné par l'expérience et la sagesse de ses ancêtres, Jean s'applique à valoriser son dur labeur. Ses chèvres parcourent tous les jours 300 hectares de châtaigniers et de maquis. Plus haut, au village de Krodge, 73 habitants, Pascal transforme le lait en un fromage d'exception. Auriez-vous des superficies que vous n'auriez pas déclarées ? Oui. En beau, j'ai 50 hectares de plus que ce que j'ai déclaré. Mais il faut raison garder, c'est-à-dire que mes chèvres n'y vont pas, donc je ne les déclare pas. Il faut pouvoir se regarder dans une glace, il faut un minimum d'honnêteté. Hors prime, on stagne et on meurt de toute façon. Donc, les primes nous permettent d'investir, de réinvestir parce qu'on a le matériel à changer. Il faut aussi qu'on se mette au goût du jour. On a une machine à traire, j'ai un temps calé. On est obligé aussi d'investir dans du matériel. Le matériel n'est pas à vie. Mes chèvres, elles sont tout le temps sur parcours. Mon compagnon est derrière. Il a ouvert je ne sais combien de sentiers. Elles puisent toutes leurs ressources dans ce maquis, mais il faut qu'elles passent. Et là où elles passent, et ben un pompier peut passer. Tout simplement, si un jour, par malheur, on avait le feu sur ce parcours. De plus, notre parcours est quand même relativement proche des habitations. Donc oui, on a un impact aussi environnemental. Qu'est-ce que vous attendez des services de l'État ? Des contrôles sérieux, sur des exploitations pas sérieuses. Et puis frapper fort. C'est horrible ce que je dis. Hein. Je parle peut-être de collègues, je parle peut-être d'un voisin, mais faut arrêter. L'argent public, c'est pas rien. Faut arrêter de faire n'importe quoi, faut arrêter. La PAC, elle n'était pas faite pour ça. C'est de l'argent public, on ne peut pas en faire n'importe quoi. Et puis si on peut le faire par redistribution, que d'autres puissent en profiter, et puis qu'on puisse faire évoluer notre métier, parce que si vous touchez de l'argent comme ça, enfin,
On parle de sommes énormes. Moi, je vous parle de ceux qui abusent et qui touchent des sommes énormes. La profession ne peut pas évoluer. C'est impossible. Moi, demain, j'ai 100 000 euros. Qu'est-ce que je vais aller m'embêter à aller traire mes chefs tous les matins? Mais pourquoi voulez-vous que j'y aille? Aucune raison. Aucune. Donc, on va stagner, voire on va plonger. Sous la pression de Bruxelles, la préfecture et le parquet d'Ajaccio coordonnent une opération de lutte anti-fraude sur 20 exploitations. À Letia, l'omniprésence suspecte du directeur de la Chambre d'agriculture attise la curiosité des enquêteurs. Sa mère, sa femme et ses deux enfants se partagent à eux quatre 400 000 euros par an. Pour commettre une escroquerie, il faut connaître des mécanismes. Donc par définition, encore une fois, on a affaire à des gens qui nécessairement connaissent le mécanisme pour pouvoir essayer de le contourner sans être trop remarqué. C'est là-dessus, bien évidemment, qu'on investit. On n'investit pas sur le directeur de la Chambre d'agriculture. On investit sur quatre exploitations à l'ESIA qui sont de celles qui touchent les subventions dans les quantités les plus importantes. Le directeur, c'est lui. Entre ses mains, quatre lettres signées de Madame la préfète. Les nouvelles ne sont pas bonnes. La suspension du versement des aides est annoncée. Jean-Dominique Rossi affirme que la moitié des surfaces déclarées sont la propriété de sa famille. Quant à la doyenne âgée de 86 ans, il précise. Si ma mère a continué son exploitation, c'est simplement qu'elle n'avait pas les annuités pour sa retraite et qu'elle a préféré continuer. Donc elle est sur le terrain ? Elle va sur le terrain aussi. Donc en montagne et tout ça ? En montagne, c'est pas ma mère qui va tout le temps en montagne, mais ma mère s'occupe des animaux, ma mère va nourrir ses animaux, souvent c'est ses petits-fils qui l'accompagnent. Pour les surfaces déclarées à Ajaccio, nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Des vaches, là, aujourd'hui, il n'y en a pas. Non, là, maintenant, il n'y en a pas. C'est dangereux. Ah non, pas comme ça, laisser les vaches. Sinon, il y a un problème de divagation. Voilà. OK, mais avant, oui. Oui, non, mais il y en a eu, bien sûr. Vous savez, vous avez de l'air, vous arrivez, vous emmenez une cinquantaine de grilles, vous les mettez dedans, vous déplacez les grilles, et puis voilà. Faites un pâturage tournant. Est-ce que vous trouvez crédible le fait que vos proches soient les seuls contrôlés à ce jour? Si on voulait contrôler 20 exploitations normalement, on aurait dû les contrôler le même jour. Ça n'a pas été le cas. Pourquoi, selon vous? Mais parce qu'il n'y avait pas la volonté de contrôler 20 exploitations. Mais pourquoi ont-ils ciblé seulement ces 4 exploitations? Mais parce que on était le parfait bouc émissaire, à savoir qu'il y avait un directeur de chambre et il y avait 4 membres d'une famille qui exploitaient 4 exploitations. Donc l'objectif, c'est de faire passer qu'il y a une seule exploitation gérée par un directeur de chambre et montrer qu'on fait son travail par rapport à la Commission européenne. Le contrôle qui était en train d'être mené, Madame la préfète annonçait déjà la conférence de presse qui devait se passer le soir. Vous interprétez ça comment ? Écoutez, tout était prévu à l'avance. Ici, il règne une apparente paix sociale. Pour l'État, l'équité n'est pas toujours la règle. Est-ce qu'on pourrait soupçonner les services de l'État, notamment la DDTM, de participer à ce système de fraude ? Ce que je peux vous dire, la question, encore une fois, je l'ai déjà entendue, ici et ailleurs. Bien évidemment que si il y a une fraude, c'est parce que c'est nécessairement la faute des autres. Et ça, c'est un argument en défense. Il sera bien temps de l'avancer à un moment ou à un autre. Le principal fraudeur, c'est celui qui prend de l'argent et qui met dans sa poche. Ça, c'est le premier point, encore une fois. Quel est l'intérêt de la DDTM ? Encore une fois, à se rendre complice. Après les alpagas fictifs, il y a bien plus audacieux. Illustration avec la fiche de cet éleveur. Sur les 257 hectares qu'il a déclarés, les services de contrôle n'en ont constaté que 157. Il y a eu donc malversation. La DDTM lui applique alors une sanction financière. Au titre de la campagne 2018, cet éleveur aurait dû percevoir 14 747 euros. Mais sa déclaration a été modifiée a posteriori. Sur cette capture d'écran qui date de l'automne dernier, on voit que les surfaces admissibles sont désormais de 208 hectares et celles constatées de 211. Une astuce qui permet d'annuler la sanction et de booster sa prime. Avec ces rectifications, la subvention de 14 747 euros
a bondi à 38 873 euros. S'agit-il d'une initiative personnelle ou cela vient-il de plus haut ? Anticor estime que les sommes indûment versées dans l'île avoisineraient sur 4 ans les 36 millions d'euros. Une plainte contre X est déposée devant le parquet national financier pour détournement de fonds publics. Il appartiendra donc à la justice de faire toute la lumière sur l'une des plus grandes dérives financières de ces 50 dernières années. Difficile pour nous de clore le chapitre de la fraude sans aller voir ce qui se passe dans une autre région à la réputation sulfureuse du bassin méditerranéen. Des vaches en divagation et une terre bénie des dieux, nous arpentons en Sicile le parc naturel de Nebrodi. Ici, entre mer et montagne, chaque hectare de terre est éligible à la PAC. La spécialité de la région, il Suino Nero, un porc noir de race locale qui se nourrit principalement de glands, de fèves et d'orge. Giuseppe Oriti possède plusieurs centaines d'hectares. Il est harcelé par les chasseurs de primes. Cet éleveur accepte pour la première fois de témoigner à visage découvert. C'est une course folle à l'hectare. Il n'y a pas de limite. Comme à la loterie, ça rapporte plusieurs millions d'euros. Des faux éleveurs, il y en a surtout au sein de la bourgeoisie. Ce sont des avocats, des architectes, des docteurs, des ingénieurs et même des hauts fonctionnaires. Disons-le clairement, c'est la mafia. Ah oui, oui, c'est certain. Bien sûr. Elle est là. Ils essayent de le nier. C'est pas juste. Nier la mafia, cela revient à insulter la mémoire de nos ancêtres qui ont été des agriculteurs honnêtes. Aujourd'hui, les mafieux sont intégrés à la société. Ils font partie de nous. Ils sont à l'intérieur de nos propres familles, dans toutes les maisons, dans toutes les familles. Comme quelque chose de très banal. On a affaire à une horde d'animaux. Et ce ne sont plus des personnes normales avec une culture, des règles et le respect de la famille. On a affaire à une horde d'animaux sans cervelle et sans éducation. Et donc, les défier, ça devient dangereux. Dans l'île, la menace de la mafia est permanente. Il faut être sur ses gardes, car l'organisation peut frapper à tout moment. À bord de cette première voiture, l'homme le plus protégé de la Sicile. Giuseppe Antocci présidait en 2016 le parc de Nebrodi. Il a osé briser la loi du silence en dénonçant la main basse de la mafia sur la quasi-totalité des terres agricoles du parc. Aussitôt, la Cosa Nostra réagit. Une opération est montée sur cette route de montagne. À bord, Giuseppe Antocci et ses deux gardes du corps. Par chance, les balles sont stoppées par la carrosserie blindée du véhicule. Une seconde escorte intervient, mais il est déjà trop tard. Les agresseurs ont pris la fuite. En Sicile, une seule brebis galeuse suffit à menacer la quiétude de la bergerie. L'État italien supprime les aides européennes aux exploitations proches de la mafia et neutralise un vaste système de corruption dans le milieu agricole. Nous parlons ici d'individus qui font régner la terreur en Sicile, comme Gaetano Rina, le frère de Toto, ou les membres du clan de Santa Paola Ercolano. Sans prendre la peine d'acquérir des animaux, ces mafieux raflaient de grandes superficies afin de capter des subventions issues de la politique agricole commune. À titre d'exemple, l'allocation annuelle de 1000 hectares leur permettait de gagner 1,3 million d'euros. Ainsi, une famille mafieuse liée à un bail d'une durée de 6 ans pour 1000 hectares était en mesure de récupérer 8 millions d'euros. Il ne leur était plus nécessaire de se compromettre dans des affaires de raquettes ou de trafic de drogue. Leur principal objectif était de faire de l'argent facile, sans prendre le moindre risque. Aujourd'hui, tout ce système de détournement de fonds européens est mis à mal, car l'État effectue des contrôles stricts.
Il n'y a plus d'impunité. Les conséquences pour les mafieux sont dévastatrices. Ils sont traduits en justice et leurs biens sont confisqués. De fait, toute la genèse de ces détournements de fonds européens a démarré avec le versement des premières aides directes attribuées aux agriculteurs. Finalement, la politique agricole commune aura permis de valoriser de manière considérable le patrimoine des deux plus grands parrains de la Cosa Nostra, à savoir Bernardo Provenzano, surnommé du temps de sa splendeur le tracteur, et son plus proche voisin de cimetière, Totorine. À l'image de la pègre italienne, le milieu corse s'est toujours appliqué à tisser sa toile dans le monde rural insulaire. Aujourd'hui, son implication dans les escroqueries à la PAC semble plus qu'évidente. On attend beaucoup de la plainte qui a été déposée par l'association Anticor. Donc il est certain également que si cette plainte n'aboutissait pas, à terme, on peut craindre vraiment une situation à la sicilienne avec un avenir très sombre. Entre l'ombre et la lumière, ce sera à la justice de trancher.